Penser développement durable, c'est faire ta transition verte, mais c'est aussi t'intéresser au bien-être de tes collaborateurs. Ah oui, des collaborateurs bien dans leur tête sont plus à l'écoute des clients. Bah en pratique, ça peut passer par la formation. Regarde, Anne co-dirige une entreprise de 200 salariés en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous sommes un centre de relations clients. Pour nous, le bien-être de nos collaborateurs est primordial. Ici, les collaborateurs choisissent leurs horaires de travail. On a aussi intégré les éco-gestes au quotidien. On recycle au maximum et on a mis en place covoiturage entre collègues. Ils sont très en avance, hein. La formation professionnelle nous permet de faire évoluer les compétences de nos collaborateurs. Ici, nous nous formons à l'intelligence émotionnelle pour que chacun apprenne à gérer au mieux ses propres émotions et celles de ses interlocuteurs. Se former ensemble pour mieux travailler. Ensemble ! L'intelligence émotionnelle, ça me plaît bien, ça. La formation dure 7 heures, une journée. Et formation aux éco-gestes aussi ? Hop là ! Pense déjà à recycler tes gobelets, tu veux bien ? C'était Rue de la Formation avec le MEDEF.